dossier insécurité, dossier kidnapping, dossier désordre qu'a fait dans le pays d'Haïti, mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, nous portons dossier pour vous, nous portons information pour vous sur kidnapping. Pierre Espérance, yon nèg k'ap défend droit moun nan pays d'Haïti. Eh bien, Pierre Espérance là nan couri parce que Fednel, mon chéri, ancien ministre pays d'Haïti, tabaré Pierre Espérance k'ap fait kidnapping et monsieur Guy Preuve gen tout détail nan men qui prouve à clair que Pierre Espérance pas coupable nan sa kidnapping k'ap fait nan pays d'Haïti, surtout sous population ak divers citoyens paisibles k'ap vivre nan pays ça. Eh bien, côté kidnapping fait petit pays d'Haïti a quitté pays d'Haïti. Petit dossier bandit fait peuple a pas qu'à vivre. Et bien Pierre Espérance qui dit la défendre droit monde et c'est là nous pral. Et bien joindre toute information comment Pierre Espérance vient doit être trempé dans divers gros kidnapping qu'a fait dans pays ça pour nèg yo faire l'argent et puis d'où il y a défendre droit monde. En tout cas, nous porter en pile information pour avec Fednel mon chéri qui pral ban nous preuve à la main comment Pierre Espérance c'est un gros kidnapper qui gagne dans pays d'Haïti sans nous pas compter des nèg qui travaillent dans pouvoir Ariel là, nous prenons le cas de Litz Kitel qui c'est ministre intérieur ou bien ministre justice dans le pays d'Haïti qui est même impliqué dans le dossier kidnapping. Nous allons faire des détails. Restez connectés, nous allons tourner, enjoy tout le monde. L'objectif premier de la conférence, c'est justement pour nous faire lumière sur une démarche que nous entreprenons, que nous suivons à travers une enquête ensemble avec une organisation de droits humains qui est le RMODL qui s'allie. Monsieur Pierre Espérance, qui fait tête passer comme défenseur de droits humains, qui n'a ni titre, ni qualité, ni formation, ni expérience dans le domaine ça, hein? Mais unique objectif qui motive, c'est faire l'argent dans le sale caractère moun. Nous menons une démarche, nous avons un groupe nèg avec preuve à l'appui, déclaration, numéro de téléphone, conversation qui fait que nous avons une période de 90 jours. Pour créer la trouble dans le pays, pour assassiner les gens, enlever les gens, dont moi-même. Donc, là, je viens de l'information, ça y est. Je viens de la zone, téléphone, tout le bagage. Et je même dans le temps, je viens de faire pièce pour passer, faut inscrit, faut faire matricule fiscale, et puis une délégation, 3-4 personnes qui viennent de l'autorité. Je fais pièce pour les gens. Ensuite, il y a un problème là, j'en problème l'argent qui te pose. Parce que quoi, pour faire toute action ça pendant un temps, il y a demandé 200 000 $ américains. Seul ça que tu en bail, il y a ton moto, il y a une petite moto pour approcher Valérie. Il y a bail 300 $ lundi pour faire un anniversaire. Quand tu attends dans voix, il y a chanté, il y a pris plaisir. Quand il y a comme c'est un seul là-dedans, mettre affaire qui c'est un ancien déporté, il va déporter nous ancien évadé prison la faille Jean Dukens, c'est lui même qui a contact permanent avec monsieur Espérance nego fâché puis même les comme la tomber parce qu'il y a un problème machine, il a besoin de ranger moteur machine, il fait moteur que lui même il parle de ça avec. Donc gagnon un gros mec presque pété dans mi-temps l'aime vient. Il y a toute information nette sur le dossier. Pierre Espérance déplacé plusieurs fois dans la réunion. Et reste réunion de la Kali. On le laisse son Prado ou bien on le laisse son petit taxi la vête. Mais nouveau plat. Et puis, appel téléphonique entre eux, appel vidéo, etc. Pour qui moun qui là. Il y a toute information ça. Depuis 5 jours, il y a une qui est pour elle. Cap vin bam témoignage de ça. Effectivement, mercredi, le relais. Mercredi soir. Et puis, je me dis, ah, la difficile pour moi, pas la voix qu'on y a là, ben, je relais encore. Je relais, monsieur, je copie, monsieur. Et monsieur explique que, il y a toute information sous plan. Il y a toute information, il dit, il y a preuve que je connais, monsieur, dans le cours à tout. Je connais, monsieur, dans la démarche là. Je viens parler à monsieur, je tape monsieur, et puis monsieur dit la vie de côté, je n'ai pas besoin de monsieur encore, monsieur est devant la justice. Donc, là, Pierre Espérance informé que le dossier à la justice, il me dépose plainte déjà, ça le fait, il court prend devant, dit que zone ça, il est inféodé avec groupe gang. C'est Pierre Espérance qui a un rapport à gang.
J'ai pas expérience qu'à rentrer sorti dans base gang. Moi je suis un professeur de l'école que mien et l'école par exemple, mettez et dans l'université d'État et puis son boursier gouvernement haïtien vers l'État hébreu. On pas qu'on a fait dans tout le monde. Comme c'est lui même qui gagne un plan ça pour créer la trouble, il faut que kidnapper un tel, faut kidnapper un tel, faut tuer un tel. On porte plainte pour lui mais plainte là. Mais ni mot plainte là même qui signe plainte là. Donc l'elle vient informé de ça, il prend devant, il met on a parlé, dit ceci, il est tué, il est kidnappé, il est assassiné. Non, moi dans un escadron la mort, non Matéli, non Ariel, etc. Donc c'est peur peur et nous dit que nous-mêmes, nous c'est unique monde qui pas peur espérance. C'est tout le monde même pas peur. Quelque chose sacrifié à Mbappé. On porte plainte pour lui trois fois déjà et dossier a fait chemin. Mon dernier plainte qui fait là. Parce que semaine qui a venu là, commissaire gouvernement, Gepoul, tendez mon yo et puis voyez dossier à la cabinet d'instruction. Et ne pas faire bac sur ça. Un public, une démarche, comme qu'a inscrit dans une sorte ou enquête préliminaire. Ce n'est pas objectif pour nous répondre Pierre Espérance. Loin de là. Parce que nous avons fait une fuite en avant, nous avons fait une sortie crabe. C'est qui ça lui? Nous-mêmes, je dis à la. Nous dit clairement pour tout le monde que Pierre Espérance n'a kidnapping. Nous reprenons encore. Démarche que nous faisons, nous joignons mes messieurs, trace messieurs, dans l'activité de kidnapping. Et qui ça lié? Nous avons ensemble de rencontres que nous fait à travers tout Port-au-Prince, dans la zone Champ de Mars, dans le bureau, dans la zone Rue Capois. Rencontre qui fait et Cara 2 a un ensemble de malfrats côté que yo gen plan pour yo kidnapper moun dont moi même avec 10 autres moun. Donc conférence ça c'est justement pour nous sauver la vie moun ça tout parce que gen pile là-dedans nous connaît yo gen là-dedans tout nous déjà informé yo de action criminelle monsieur ça. Pendant 2 mars, pour arriver 13 mars, ils ont fait plusieurs réunions dans la zone Sahou, et dimanche qui était 13 mars, pendant dans le local ça, il y a un coup de fil qui fait, et il y a tout numéro là, ils ont informé que je suis dans le local là, mais qui machine, mais qui l'a arrivé. Et espérance en personne passer devant dans un prado blanc. Il y a une plaque là, c'est un nouveau plaque. Espérance utiliser deux plaques machines. Ou bien deux machines pour aller dans la compte ça. L'aller deux fois. Tout reste le faire dans bureau et le téléphone spécial pour parler à monsieur Sao. Le informé comme là, il passé un message. Et ils arrivent dans le local là, côté Pierre Espérance siégé. Ils utilisent un Prado qui est immatriculé AA 17411. Ils utilisent un Corolla vert qui est nouveau plaque, c'est 03-891. Donc, là, ils sont dans la réunion de la machine taxi, en petite voiture, il fait plus de temps. Mais là, dans Prado, il n'y a pas arrêté propre. Les gens relaient, ils disent que je suis dans le local. Là. Et ils ont fait, comment on va planifier? Ils font une planification sur 90 jours, mais quantité de monde qui ont levé. Ok? Ils ont gagné une équipe qui a gagné au moins 7 personnes là-dedans. Et chef équipe là, la faille Jean Dukens. Probablement, ils sont évadés de prison. Téléphone que vous utilisez pour monsieur, pour parler avec l'équipe LIA, c'est 38 52 39 27. Il y a un deuxième citoyen qui vient dans le dossier. C'est David Dorméus. Que tout le monde connaît sous le nom David Dormé. Téléphone que vous utilisez pour parler entre vous. Parfois, téléphone Dormé, qu'on nomme la faille. Téléphone la faille, qu'on nomme Dormé. L'utilise un téléphone qui c'est 47 08 05 46. La faille habitait zone Matissan, dormait
dans Sico. Michel Gabar, son lot encore, qui habitait zone Solino. Yo gagne un militant avec le Timoto pas proche. Non, monsieur, normalement c'est Valérie Stanley. Monsieur est dans la zone des miracles. Il a acheté une moto Bali. La faille recevoir comme ça de Pierre Espérance. Lundi dernier, il a acheté une moto pour 900 combien de dollars américains. Bah, monsieur, que nous avons une photo de moto, il y a toute information sur. Donc, complot ça, c'est pour qui ça? C'est pour être capable de s'y mettre, panique dans le pays ça. Il y a des gens qui l'ont kidnappé, l'ont enlevé, l'ont assassiné. Ça a créé la trouble pour nuit au gouvernement. Et ça fait que après, il informé que je vais déposer une plainte dans le paquet. Oui, mais plainte. Avec tout le monde, je cité là. Il informé le cabinet avocat que je vais déposer une plainte. Et plainte, ça nous déposé le 24 mars 2022. Et puis il courut prendre devant pour dire que il y a un groupe nègre qui a craché du fait que PM Ariel mettait dans la tête li alors que encore que m'a dirigé un groupe bandit dans sa salle. Donc à ce niveau, nous-mêmes nous pas capables d'accepter un nègre qui a fait payer mal comme ça. Un nègre qui a planifié bagaille contre pays, hein, contre mon dans le pays ça, et il a une capacité pour le faire rapport en dormi 2000 font rapport à regarder pour eux il y a deux zones dans le pays ça ou pas jamais ouais Pierre Espérance mettez mon ça ou dans rapport pas connait pour qui raison mais son constat. Donc nous fait ça justement pour nous annoncer tout le monde que nous informer de situation. Et me t'ai une conversation à une année qu'une équipe là, t'ai relevé un téléphone. Pour qui ça? Parce que n'ai au moins des 200 000 dollars pour faire rappel. Puis enlever près de 10 monde. Mais a fait pas trois, l'eau de trois. J'ai l'impression que discussion en fait autour de l'argent et puis gagne qu'a fait défection. Moi parler avec une année qui dans équipe là. Mais depuis 5 jours, il vient pour te relever. Ça, c'est informateur, c'est information que je gagne. Mais il y a un problème de numéro de téléphone que je n'utilise plus là. Mercredi soir, je relève mon téléphone. Et en plus, le monde gagne une voiture. Après, on côté, c'est moi qui parle à monsieur. Le relève, je dis, moi, en situation difficile, qu'on est à la bouteille par la voie, je m'a conduit quand je suis rentré pour me parler. Effectivement, je suis rentré. Je parle à monsieur, je copie monsieur. Et moi copier le. Donc comment ça son gars monsieur dit que il y a une information de sûr c'est n'attendel que gagne un attentat pour le faire sous moi. Mais comme lui-même il pas veut non ni condamné il est obligé relève pour l'informer. Mais pour qui ça? C'est parce que comme le demandé a il pas joindre comme là il a peur pour pas la pas prendre la rue et puis il a accusé l'autre. Et ça fait que je publie toute voix. Et puis je me dis, monsieur, comme ça, monsieur dit, je viens de voir toute la vérité parce que j'ai toute information sur le dossier. Je me dis, monsieur, que je m'appelle l'autre demain. Même pas j'aimerais l'émission parce que je connais monsieur dans quoi. Information, j'ai besoin de mettre moins joint. Et deuxièmement, plainte moins déposée depuis 24 mars. Sacré pour faire ça, c'est le commissaire gouvernement qui pour. Convoquer Negio et demander pour que le dossier aille dans le cabinet d'instruction. Donc, je fais tirer la marche ça pour nous. Et je dis encore que tout ça nous dit là, il y a pour sortir dans le rapport que une organisation de droits humains qui travaille avec la mission enquête ça, qui est RMODL. Je ne sais pas si je suis là, mais il est RMODL. C'est une organisation de droits humains qui a sorti un rapport détaillé. En 20 semaines prochaines, on finit sur ça que je révèle nous, parce que je ne suis pas capable de faire ça, parce que faut que je rende ça public pour me sauver la vie de paquet de monde. Que monsieur ça prend plaisir, mettez nous dans tout dossier, que la fête tête qui passe comme on a fait droits humains,
mais c'est affaire personnelle la prédit. Qui ça? Nous avons 15 bagailles pour nous faire nous connaître sous monsieur que l'épée espérance. Mais ma banne nous 2-3 jours d'hier. Ça nous devons connaître de l'expérience. Premièrement, c'est un homme sans titre ni qualité. Sans famille. Par toutes les démarches que je fais, je vais retracer l'expérience pour mieux côté de l'école. Qui m'a dit qu'on discipline. Juste, celle même connaît sur la Gonave. Il y a une image qui est faite à part anti-gang. Ça, son officier supérieur de la médaille. Il y a une image qui est faite dans les zones côté que. Il y a un vol qui fait. Dans l'arrimage, il dit que vous tout prenez. Rivez dans l'antigan, vous ronflez la coup de bâton. Ça c'est l'officier supérieur qui fait ça. Fait pas de ça. Je ne pas citer non. Et après, là vous finissez ronfler monsieur Akar l'autre coup de pied. Vous connaissez l'antigan, il n'y a pas de jouer à bail ça. C'était l'armée d'Haïti. Et puis, même côté que.